Quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura ? Ouais ? J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave ? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. J'aurais rien pu faire pour l'empêcher, de toute façon. Tu contrôlais plus rien. Si ? Ouais. Non. Tu te contrôlais pas ? Bien sûr que non, putain. Laura, t'insinues quoi ? J'essaye seulement de comprendre ce qui se passe. C'est tout, Max. J'insinuais rien du tout. Putain. J'ai dit, laisse-moi entrer. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs ne sont pas au camp. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Et merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris. Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? Tu m'as tiré dessus. Maman va te tuer. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. Tu penses à ça? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Pierre d'honneur et cette fouine de journaliste. Mortel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Max! Hein? Max! Hein? Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler, le flic ! Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Hé, à l'aide ! Laura se sent mal ! Laura ? Laura, tu vas bien ? Nom de Dieu. C'est quoi ce bordel ? Laura ! Mon
C'est moins marrant maintenant, hein ? Éloignez-vous ! Donnez les clés. C'est pas une bonne idée. Désolée, j'ai pas le choix. On peut discuter. C'est trop tard pour ça. Les clés. Oh. Ok. D'accord. Merde. T'en aurais pas cru capable. Bien sûr que si. Viens, allez. Laura, pense à ce que t'es en train de faire. On fait moins le fier. Si vous preniez le temps de réfléchir un peu. Désolée. Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Tout est de leur faute. Tu les tous. Y'a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait, il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Hey. Je viens de me rendre compte. On est libre. Non, Max. On sera libre quand Chris Hackett sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... ça reste une petite victoire, non ? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hackett Square et régler le problème, ce soir. Et je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça.
Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué... Chris... je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Max? Max? Max! Donc le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors? Il a voulu, mais je l'ai semé. Oh merde. Il nous reste peu de temps. Ça sent bon, hein. Vas-y, mange un bout. Allez.
Abruti d'animal. Bon. Oh, merde, lâchez-moi! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir! Ah! Laissez-moi partir, ok? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couille! Je vous en supplie! Mais pourquoi vous dites rien, putain? Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez? Hein? Parce que mon père, il en a! Tout un tas de fric! Enfin, pas vraiment! Mais il en trouvera! Enfin, j'espère! Pitié! Laissez-moi partir, pitié! Je suis tellement désolé! Oh, putain de merde! Et de deux, Bobby. Toujours ravi de vous voir. N'est-ce pas amusant de plonger dans le passé? Ils sont horribles, pas vrai? Penchons-nous sur ce que vous avez trouvé. Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas stupides. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Et l'éternelle question qui revient. Me laisserez-vous vous en montrer plus? Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Ta gueule. Les gars, elle a tué Kaylee. On va pas encore remettre ça. Kathleen, je fais quoi? Oh, waouh, visiblement, t'as une âme de leader, toi. J'ai dit ta gueule. Non, pas question, je refuse d'être impliqué. T'es tout seul, mon pote. Mais bon, pense à tout ce qui s'est passé cette nuit. Je dis ça, je dis rien. Attends, t'as vraiment entendu une femme pleurer? Quand t'es partie? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Ça me rappelle une histoire locale. La folle de Hackett's Quarry. Une femme dans les bois. On dit qu'elle est morte il y a des années. Et qu'elle rôderait à la nuit tombée,
pour chercher son fils perdu. Ils ont horreur que j'en parle. C'est elle que t'as vue. Mais je sais pas trop ce que j'ai vu ou entendu. Enfin, quoi que ce soit, toi, t'as l'air d'y croire. C'est vraiment tordu. Je vais juste me permettre de te reprendre ce joujou, si tu veux bien. Bon, allez. Où habite Chris Hackett ? Quand il est pas au camp, je veux dire. Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais ? Vous êtes bien moniteur, non ? Vous avez passé 2 mois ici ? Il est pas au sous-sol, et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois. Il me faut un point de départ. Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt. Hé ! Quoi ? Écoute, il y a peut-être un autre moyen. T'y as pensé à ça ? Je viens de passer tout un mois à réfléchir qu'à ça. Bon, quand le soleil se lèvera, je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et Max non plus, ni tous les autres qui ont été mordus. En quoi c'est notre problème ? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois ? Et puis n'oublie pas Nick. Ok, si vous continuez, va falloir vous jeter un seau d'eau. Ryan, faut qu'on sorte d'ici. J'ai plus beaucoup de temps. Si je trouve pas Chris Hackett, alors des tas d'autres gens vont être blessés. Je viens avec toi, hein ? Ouais, tout pareil. J'ai absolument pas l'intention de laisser une meurtrière en fuite comme toi s'approcher de Chris toute seule. T'es en train de me draguer ? Non. Bon, fais comme tu veux. Mais t'as bien vu avec Nick, on l'a mordu. T'inquiète, tout va bien se passer. La voiture que t'as prise, elle est où ? Au fond du lac. Pourquoi ? C'était une voiture de flic volée. Tu vas devoir essayer de réparer le minivan, vous devez partir. T'as combien de temps ? 1 heure ou 2, j'en sais rien. C'est pas vraiment une science exacte. Alors faut qu'on se bouge. T'es bien sûr que c'est par là ? Pratiquement, ouais. Pratiquement ou totalement ? Tu m'as pris pour quoi ? Pour un guide ? Est-ce que t'es déjà venu ici ? Eh ben, non. Quoi ? T'es sérieux ? J'en sais pas plus que toi, ok ? À quel point tu connais Chris Hackett ? Monsieur H, plutôt bien. Autant que la route à suivre pour atteindre la maison ? La première fois que je suis venu, je vivais une période tendue, et Monsieur H m'a bien aidé. C'est un type bien. Tu le connais pas comme moi. Tu le connais pas du tout. Ok, ok, ouais. T'es son chouchou. C'est quoi ton problème ? Écoute, je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond, pas vraiment. Eh ben, je connais Monsieur H, et il nous ferait jamais aucun mal. Et moi, je peux te dire qu'il n'est pas le type bien que tu crois qu'il est. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider les gens, c'est pour ça que la colo existe, pour aider les gamins. Ouais, j'en doute pas. Tu sais ce que je dois faire, hein ? Je sais. Mais que si on peut pas lui parler, s'il n'y a pas d'autre moyen. Passe devant.
C'est là, le manoir à Kate. Alors comme ça, il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois. Regarde-moi ça. Non, mais c'est là que vit sa mère, je crois. Je connais pas, mais... si on veut des réponses, c'est sûrement là qu'il faut commencer. Mais... attends, comment on y accède? C'est-à-dire? Comment on accède au manoir? Ça, c'est une très bonne question. Y a qu'à pas y aller. Tu pourrais arrêter de le protéger. T'es de quel côté? Au point où j'en suis, j'en ai aucune idée. Tout ça va beaucoup plus loin que tu le crois. Quoi? Enlèvement, meurtre, dissimulation. Je crois que toute la petite famille à Kate trempe dans cette affaire. Peut-être même la colo. Peut-être même toi, qu'est-ce que j'en sais? Ouais, c'est ça, tire-toi! Oh, désolé, j'ai juste pensé qu'au lieu de rester là à t'écouter te plaindre, je pourrais peut-être essayer de trouver un moyen de passer. Ah oh. Merde! Oh. Je l'ai senti passer. T'es blessé? C'est l'eau. Oh, j'ai failli mourir. On a failli mourir. Mais c'est bon. C'est rien, tu vas t'en remettre. Et tu me donnes pas encore vraiment faim, donc je suppose qu'on a encore un peu de temps. Allez, faut qu'on remonte. C'est pas marrant. Quand même un peu. Oh mon Dieu, Laura! Putain de bordel de merde! Attends, voir. Qu'est-ce que tu fais? Du calme, regarde. Comme tu as de grands yeux, mère grand. Oh merde! Tu vois du jaune dans mes yeux? Je sais pas trop. Merde. On n'a pas beaucoup de temps. Ça remonte sûrement à la carrière. Sans deck. Plus personne descend jamais. C'est elle. Qui? La folle de Hackett Squarry. On dirait qu'elle veut nous avertir. Ou nous guider. Oh merde! Attention. Tu crois qu'on nous a entendus? Non, c'est pas possible. Cet endroit n'est pas du tout aux normes. Bah, si les normes, c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer, ça correspond plutôt bien. Il faut qu'on continue. Ouais. Attention, putain. Thank you.
Regarde-moi ça. Oh! Oh la vache, c'est haut. Wow. Tu crois que peut-être il pourrait y avoir quelque chose avec nous? Soit ça, soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait. Que je pige pas. Comment ça? Ton petit numéro de solitaire ténébreux, là, ça colle pas vraiment avec le « j'adore mon directeur de colo ». Donc je rentre pas bien dans ta case, c'est ça que tu veux dire? Arrête, tu m'as comprise. Je viens depuis des années. Quand on connaît bien un endroit, on s'y sent comme chez soi, tu vois? Enfin, jusqu'à maintenant. Et pour... ta pote, là. Kathleen, non, c'est ça? On dirait qu'elle t'admire beaucoup. Ouais, elle... elle a un faible pour moi. Dylan aussi. Oh, je vois que c'est pas la modestie qui t'étouffe. Je dis pas ça pour me vanter, c'est la vérité. Ils essaient pas non plus de le dissimuler. Et de ton côté, lequel tu... lequel tu préfères? Je sais pas. Peut-être aucun. Par là, il y a de la lumière. Ouais... ou bien tu peux... rester là, comme tu veux. Je vois que tu manges bien tes épinards. Alors... tu vas entrer en premier dans ce tunnel à moitié effondré, ou j'y vais? S'annonce bien. Attention, ça pique. Merci, ça va. On a trouvé de quoi s'amuser. De l'alcool, la prohibition, des tunnels de contrebandiers. Ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans. Il doit être encore bon. Bon ? Millésimé. Alors les Hackett étaient contrebandiers. Logique. Après la carrière, ils ont dû se diversifier. Allez, on verra ça plus tard. Tu crois qu'on y est? Je sais pas, je suis complètement perdu, là. Ah. Ouais, pareil. On y va?
Il s'est passé quoi, là? C'est compliqué. Merde. Dire que je trouvais cet endroit agréable. Ici? Sérieux? Ouais, un peu comme un chalet au ski. C'est trop... froid. T'as jamais rêvé de te retrouver piégé avec quelqu'un dans une station de ski en pleine tempête? Le téléphérique est en panne et vous avez que votre propre chaleur. Et la faim qui vous tiraille, vous êtes que tous les deux. Chelou tes fantasmes. Enfin, des vacances au ski, c'est plutôt tentant, là, tout de suite, non? T'en as fait? Du ski? J'y connais absolument rien. Faut que t'essaies sur la piste des piou-piou et ce sera bon. Bon, eh ben, on va devoir remettre ce van en état de marche. Quoi? Voyons où est le problème. Alors, ça se répare ou ça se répare pas? Ok, le moteur est complètement foutu. Encore une bonne nouvelle. Si je pouvais faire apparaître une voiture par magie, je le ferais. Attends, je peux peut-être? Ok, on est en train de la perdre. Il y a une casse un peu plus loin. Si on cherche une voiture, on peut en trouver une là-bas. Ça me paraît peu probable. Dylan, allez, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Bon, d'accord. Une fois encore, Dylan se met en danger de mort pour le bien de ses collègues. Dylan? Ouais? Ferme ta gueule. Oh, je commence à plus t'aimer du tout. Rien à foutre. C'était quoi? Hein? C'était quoi? Oh, c'est rien, on a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains. Je vais bien. Ça vient de là-bas. Jacob. C'est Ryan. Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, stop, Ryan. Bon sang, man, qu'est-ce que tu leur fais en bas?
C'est rien, on assure simplement leur sécurité, comme pour tout ce qu'on a fait cette nuit. C'était quoi? Non mais putain, c'était trop marrant. Ferme. Oh putain, il faut que tu me tires de là. Comment? Sors tout de suite. T'es électrifié. Bon ok, y a une armoire dans l'angle de la pièce. Je crois qu'elle gère l'électricité, j'ai vu un vieux. Celui qui était dans les bois, juste devant. Qu'est-ce que tu fais là, Travis? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Bon. C'est Kelly. Est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant, je suis sûr que ta tête de flic tourne pas rond. Impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent. Elle est morte, ment. Non. Non, non. Pas ma petite fille. Pas ma petite fille. Pas ma Kelly. Pas ma petite Kelly. Pas ma petite Kelly. Pas ma petite Kelly. Espèce de pourriture. Pas ma petite Kelly. Va au diable. Qu'est-ce que tu lui as fait? T'as été mordu? Mais elle est folle. Attends. C'est lui. Réfléchis. Pourquoi on l'aurait enfermée dans une cage? Alors qui c'est? Mais c'est qui cette fille? C'est elle qui commande. Tu t'es déjà trompé une fois. Peut-être même que c'est Nick. Ton pote. Hé, écoute. Ok. Ils disent qu'ils sont occupés de deux d'entre nous. Sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. Oublie pas. Faut qu'on soit sûr. T'as promis. Ryan, faut que tu me tires de là. Ok, je rentre tout de suite. Ils l'ont pris. T'es qu'une espèce d'abruti. Mort. Mais putain, espèce de sale petit con. Dégage de ma vue. Ok. Explique-moi. Ok, bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut ouvrir ma porte. Et cette porte. Mais surtout pas cette porte. Ah, super. Merci, Einstein. Mais putain, va te faire foutre, j'essaie d'aider. Toi, va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. Ok, il y a une armoire. Sur le mur, là-bas. Un disjoncteur, je sais pas. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok, bouge pas. D'accord. C'est bien trop dangereux. Ouais, parce que tu t'es planté. Ok. J'arrive. Désolé. Allez. Merde. Tu seras mieux ici. Non. Quoi? Je suis désolé. Non. Fais pas ça. On reviendra te chercher. Non mais arrête tes conneries, Ryan. Allez, Ryan, s'il te plaît. Tu sais pas ce qu'ils vont me faire après. Allez. Fais-moi sortir, tu peux pas me laisser. Merde! Putain de merde!
Mon Dieu, pas ma petite fille chérie. Pas ma Kelly. Pas ma petite Kelly. Et donc, toi, t'avais ces foutus moniteurs dans ta foutue prison depuis deux foutus mois, c'est ça? Et c'est maintenant que tu me dis qu'au lieu de leur coller une balle à chacun dans leur petite cervelle de petite merde, tu leur as donné ton fusil à balles d'argent et ils ont tué ma Kelly avec, c'est ça que t'essaies de me dire, Travis? Tu voulais plus de sang sur les mains, c'est ce que t'as dit? Et si ça avait été moi ou... Ou Bobby? Hein, dis? C'était ta famille. Un bon garçon protège sa famille. T'es pas un bon garçon! J'aimerais tout effacer. J'aimerais tout effacer, mais je peux pas. Non, vraiment, je comprends pas pourquoi pourquoi tu n'as pas réglé ce problème quand tu en avais l'occasion. Régler ce problème? Est-ce que tu t'entends? Oui, je m'entends, pauvre con. Je suis peut-être vieille, mais je suis pas sourde. Je suis agent de police. Oh, et maintenant, je suis aveugle, sale petite merde. Oh, t'arrêtes pas d'agiter ton badge comme s'il valait des millions. Si tu l'as eu, c'est uniquement parce que Hank est mort dans le feu des gitans. Mort. Tais-toi. Ferme-la. Tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît. Ne me dis pas quoi faire. S'il Et fais te pas plaît. Comme si... Fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres, parce que non. S'il te plaît, assieds-toi. Ne me dis pas ce que je devrais faire, sale pourriture. D'accord. Je te tiens. Ryan, cours! Mans. Envoie-moi Bobby. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Rebonsoir. Je vous ai manqué? J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes. Faites-moi voir ça, d'accord? La roue de fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Les voies du karma sont impénétrables, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Alors ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un œil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera. L'empereur. L'autorité, la paternité, des structures destinées à s'effondrer, non? Les puissants peuvent tomber, et leur empire avec eux. Qu'ils saignent, qu'ils se déchirent entre eux, qu'ils pourrissent. Des détails? Alors choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. Vous avez encore le temps.
Faites attention. Faites